Jusqu'à la dernière minute, les joueurs du LOSC veulent y croire. Cette victoire contre le PSG, ils en rêvent tous. Alors pour ce dernier entraînement avant la rencontre choc, pas question de baisser les bras. L'équipe est très concentrée. On prépare très bien le match pour pouvoir aller là-bas avec nos atouts, faire pourquoi pas un bon résultat. Maintenant, on sait que ça va être difficile face à une très belle équipe de Paris qui marche sur le championnat en ce moment et à nous d'aller là-bas avec de bonnes ambitions. De l'ambition, car demain les Dogs rencontreront les Parisiens au Parc des Princes. Adversaire de taille, premier du classement et surtout imbattable depuis le début de la saison. Mais pour l'entraîneur Christophe Galtier, inutile de changer de philosophie de jeu. Actuellement, nous sommes deuxième du championnat. On a une bonne défense. L'équipe défend bien. L'équipe attaque pas trop mal. Pourquoi modifier cela? Parce qu'on va à Paris et que Paris est actuellement imbattable. Je souhaite que l'équipe s'appuie sur ses forces et ses qualités plutôt que de vouloir faire déjouer l'adversaire. Avec ce match, les Dogs espèrent confirmer leur très bon début de saison et surtout être la première équipe de l'année à vaincre le PSG.